je me présente, mon nom est Gabrielle Gingras et je suis art thérapeute professionnelle. Merci d'être ici pour en apprendre plus sur l'art thérapie. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier qu'est-ce que c'est l'art thérapie dans un contexte clinique. Donc je suis art thérapeute aux amis de la santé mentale, donc j'ai un groupe d'art thérapie pour des femmes ou des hommes, des gens qui ont un proche qui souffre de problèmes en santé mentale. Le but de ce groupe-là, c'est d'offrir un espace de bien-être et de connaissance de soi. Et puis, je suis self-thérapeute à Canvas dans Thérapie. C'est un centre que j'ai cofondé avec trois autres collègues en 2016. C'est situé sur le plateau Mont-Royal. C'est un centre où on offre des services en individuel et en groupe aussi. Donc, le but de ce centre-là, c'était d'offrir un espace qui était vraiment dédié, un support psychologique, un support moral aussi, offrir un espace pour entamer un processus thérapeutique, mais avec l'art, ça n'existait pas à Montréal, un centre qui était dédié juste à ça. Le centre, en fait, la mission, la vision et les valeurs du centre d'art thérapie, c'est d'offrir des services à des gens qui ont envie de développer un mieux-être à travers le potentiel de leur propre créativité. Aussi, un autre objectif de notre centre, c'est d'engager le client et le thérapeute au bien-être de la communauté. Donc, le modèle de notre centre, un des modèles qui est particulier, c'est les canevas en attente. Donc, les canevas en attente, c'est qu'on prend un pourcentage de chaque séance payante, on les met dans une banque, on offre des services gratuits à des gens de la communauté qui ne peuvent pas se payer des services en thérapie. C'est 10 séances qu'on offre par personne. Aussi, au cœur de notre centre, il y a aussi l'inclusivité. Donc, on offre des services en français, en anglais et en langage des signes, en LSQ, pour des personnes de 0 à 99 ans. Donc, c'est accessible pour tous les âges. On est aussi accessible aux personnes en chaise roulante. Donc ça, c'est vraiment aussi au cœur de notre mission. L'inclusion aussi. Donc on a des services à différentes communautés, communautés LGBTQ, communautés autochtones. Donc c'est vraiment un large éventail. Puis en étant quatre art thérapeutes, on peut offrir différents types de services pour desservir la communauté. Donc aussi au cœur de notre mission, c'est l'éducation, démystifier. On donne beaucoup de conférences dans des centres communautaires ou dans des entreprises pour parler de l'art thérapie. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on offre des services individuels, des services de groupe à nos bureaux, en organisme communautaire, en entreprise, donc pour tous. Donc, plus particulièrement, les services aux amis de la santé mentale qui sont ici à Beaconsfield. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les amis de la santé mentale. Donc, c'est un organisme qui vient en support pour des proches de quelqu'un qui souffre d'un problème en santé mentale. Donc, c'est vraiment pour supporter les proches, pour donner la psychoéducation, mais aussi c'est un endroit de répit. Donc, comme j'ai nommé, j'offre des groupes d'art thérapie là-bas. Et puis, du counseling pour enfants aussi, mais ça, c'est pas de l'art thérapie. Le groupe d'art, en fait, aux amis de la santé mentale, c'est plutôt du counseling et de la psychoéducation. Le seul groupe de thérapie, c'est l'art thérapie. Donc, avec les enfants, c'est plutôt un travail de counseling, de psychoéducation. Mais j'utilise mon background dans l'art thérapie pour offrir des interventions artistiques parce que les enfants, une des façons qu'ils préfèrent s'exprimer, c'est à travers les images, la création. Donc, oui, aussi un autre aspect de notre centre qui touche à l'inclusivité, c'est qu'on a une échelle coulissante. Donc, c'est des tarifs entre 60 et 100 $ qui est proportionnel au revenu familial. Ça aussi, ça fait partie de l'inclusivité. Donc, mon nom est Gabrielle Gingras et puis j'ai un background en fait en éducation. Ça, c'était ma première vie, j'étais professeure d'anglais en seconde. Et puis, mon cheminement vers l'art thérapie, c'est fait à l'étranger. En fait, quand j'étais plus jeune, ma façon préférée de m'exprimer artistiquement, c'était à travers la danse et le mouvement.
Donc, j'étais pas quelqu'un qui créait beaucoup, qui faisait beaucoup de peinture ou de dessin, mais c'est vraiment à travers, quand j'ai voyagé, quand je me suis retrouvée sans mes proches et ma famille pendant 6 ans, parce que je suis partie seule à l'aventure, j'avais besoin d'un endroit pour m'exprimer. C'est là que j'ai découvert la magie du journal créatif, la magie du dessin, de m'exprimer et puis de déposer ce que je vivais. Parce que j'étais pas quelqu'un qui naturellement allait vers les autres pour parler de ce que je vivais nécessairement. Donc c'était vraiment un outil qui m'avait beaucoup aidée. Et puis mon père est psychothérapeute, et puis quand j'ai parlé de cet outil-là, il m'a dit: ah, Gabrielle, tu sais, l'art-thérapie, ça existe. Donc ça a comme ouvert une porte. Et puis c'est un changement de carrière pour moi, c'était une vocation. Donc je suis revenue ensuite à refaire une maîtrise en art-thérapie à Concordia. Donc j'ai une maîtrise en art-thérapie. Et j'ai quelques certificats en pratique participative, c'est un certificat de deuxième cycle. Et j'ai aussi une formation en thérapie narrative. Donc, c'est un peu mon background plus académique. Qu'est-ce que c'est la thérapie narrative? Oui, la thérapie narrative, c'est une thérapie qui a commencé en Australie à Adelaide. Michael White et David Epson, c'est des travailleurs sociaux qui ont commencé ce type de thérapie-là. Et puis, c'est vraiment sortir le problème des gens. Donc, le problème est le problème. Les gens ne sont jamais le problème. Donc, quand on... Donc, ici, par exemple, j'essaie de penser à un exemple plus concret. Il y a une dispute dans la famille. Bon, ici, on commence à blâmer tout le monde. Des fois, on ne se rend pas très loin dans la résolution du problème. Mais si on dit, c'est quoi le problème? Ah, ben c'est le manque de respect. Donc, on regarde comment tout le monde participe au manque de respect. C'est pas quelqu'un qui est le problème. On sort le problème des personnes. Mais ici, c'est aussi le droit que on peut toujours changer notre histoire. Ça dépend où est-ce qu'on porte notre attention aussi. Donc, si quelqu'un compte son histoire, a peur de conduire, bonjour. Et puis, dit, ben, j'ai eu un accident, je suis pas capable de conduire, mais si on déconstruit, on réalise que l'attention est peut-être pour être portée sur les deux accidents, mais il y a eu plein de réussites à travers ça. Donc, si on regarde les réussites et puis qu'on enrichit les réussites, on peut changer l'histoire qu'on se compte par rapport à nos compétences de conduire, par exemple. Ou si on parle des échecs dans les relations, par exemple, on peut regarder des fois où est-ce qu'il y a eu des succès, tu sais. Donc, on peut changer notre angle. Donc, là où est-ce qu'on porte notre attention, c'est là où est-ce que ça s'enrichit. Donc, c'est un peu les principes de base. Puis aussi, regarder les forces, ça vient aussi de l'empowerment. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder le traumatisme? On a tous des traumas, mais sans retraumatiser. Donc, dans un angle où est-ce qu'on regarde les forces pour venir soutenir le trauma. Donc, un peu comme un physiothérapeute, ne va jamais travailler sur le muscle qui est faible, va travailler sur les muscles qui sont forts pour supporter et aider à guérir le muscle qui est endommagé. Donc, c'est un peu les grandes lignes de la thérapie narrative. Donc, la présentation va comporter de 3 volets. On va parler de l'art-thérapie clinique. Ensuite, je vais montrer, il va y avoir des vidéos, des vignettes. Et ensuite, il va y avoir des questions. Donc, qu'est-ce que l'art-thérapie clinique? Quels sont les motifs de consultation? Quels sont ce qui s'est bien fait? Et qui est l'art-thérapeute professionnel? Donc ici, je vais vous présenter une vidéo qu'on a fait, que le centre a fait, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'art-thérapie clinique. Parce qu'il y a une différence entre l'art qui fait du bien. C'est vrai que faire de l'art, c'est thérapeutique, ça nous permet de se déposer, de décrocher. Ça nous permet aussi de relaxer, juste quand on crie, on engage le corps, on a un rythme, des fois ça nous permet de changer de perspective. Mais c'est pas de l'art-thérapie clinique, par contre. Donc, cette vidéo va expliquer. L'équilibre calorique pour adultes a démontré des bienfaits dans la réduction du stress. Ce n'est pas de l'art-thérapie. Et voici pourquoi. L'art-thérapie, c'est pas seulement basé sur le fait de compléter un dessin, mais plutôt sur l'expression du monde intérieur de la personne.
quand la personne s'exprime par les arts, soit par le dessin, la sculpture, la peinture ou même le collage, elle traduit en images ses pensées, ses émotions, son rapport au monde. Chez Canva, on pense que c'est la relation entre les clients et le thérapeute qui est le moteur de changement. Nos art-thérapeutes formés de niveau maîtrise sont outillés à accompagner la personne dans son choix de matériaux, de thèmes et dans l'exploration de la signification de sa création. C'est le support de l'art-thérapeute ainsi que la relation qui différencie l'art-thérapie des livres à colorier. L'art-thérapie comporte plusieurs avantages que l'on ne retrouve pas avec les livres à colorier. Comme par exemple, celui qui franchit la limite de l'expression verbale, ce qui peut amener à de nouveaux questionnements, de nouvelles perspectives qu'on n'aurait pas pu accéder autrement. En art-thérapie, le processus est tout aussi important que le résultat, mais aucune expérience ou talent particulier en art n'est requis, seulement un intérêt. Ce type de thérapie ne limite pas l'expression de soi à un seul médium, contrairement aux livres à colorier. Il permet aussi d'avoir un produit tangible auquel la personne peut se référer en tout temps. Chez Canva, nous accueillons les personnes de tous âges aux prises avec diverses difficultés, voyant un intérêt pour la connaissance de soi et le mieux-être à travers la création. Si vous avez des questions ou pour prendre rendez-vous, remplissez notre formulaire en ligne. Alors, est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est l'art-thérapie clinique? Donc, on parle beaucoup de la relation. Donc, c'est sûr que, en fait, les études ont démontré que un des facteurs qui détermine la réussite d'une thérapie, que la thérapie a été bonne pour le client, ça lui a permis d'atteindre ses objectifs thérapeutiques, c'est dans la relation que ça se trouve, avant même l'approche. Donc, l'art-thérapie, c'est sûr que ça peut être une alternative à la thérapie verbale. Et puis, ça peut aussi être une thérapie qui est parallèle à une thérapie verbale aussi, ou complémentaire aussi. Donc, ça dépend des choix de la personne. Donc, l'art-thérapie clinique, on la divise en trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'expression. Donc, l'expression en art-thérapie s'exprime non seulement à travers les mots, mais aussi à travers le processus de création. Ensuite, quand on a déposé, quand on s'est exprimé, c'est à ce moment-là qu'on a des prises de conscience. Donc, ce qui est différent avec la thérapie verbale, c'est que souvent, les prises de conscience arrivent par l'exploration de l'image. Donc, la première section, la personne s'exprime. La deuxième, on explore l'image ensemble. L'art-thérapeute va poser des questions. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? Et puis, à ce moment-là, parfois, la personne, il y a de l'information nouvelle qui surgit. Et puis, à partir des prises de conscience, c'est là généralement que génère un changement. Donc, je vais donner un exemple concret. Donc, je travaillais avec quelqu'un qui parlait de son autocritique. Et puis, je dis, l'autocritique, il ressemblerait à quoi? Ça, c'est une technique de thérapie narrative, mais qui est utilisée à travers l'art. Donc, mais là, en image, je dis, est-ce que ça serait un monstre? Elle dit, non, c'est pas un monstre. C'est vraiment, c'est plus comme une clôture. Donc, elle a fait une clôture, et puis en explorant la clôture, souvent ce qu'on fait en art-thérapie, c'est qu'on change l'image de sens aussi. Donc, on regarde à l'envers, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on voit de côté. Et puis, de côté, elle voyait un chemin de fer. Donc, elle dit, tu vois, mon autocritique, parfois il m'empêche, mais parfois c'est aussi mon chemin qui me permet d'avancer. Donc, comment est-ce que je peux entrer en contact ou en connexion avec mon autocritique pour qu'ils me permettent d'avancer et qu'ils ne me bloquent pas. Donc ça, c'était devenu la question. Donc c'était pas quelque chose de juste mauvais, c'était quelque chose qui pouvait être utile aussi à son propre changement, tout dépendant comment qu'elle voyait, elle percevait
l'autocritique et puis comment il peut être utile pour elle dans sa vie, dans les situations. Donc ça, c'était expression de l'autocritique, prise de conscience et un changement par la suite. Donc c'est aussi, il y a des choses qui sont dans le préconscient. Donc quand on est prêt à voir quelque chose, à travers la création, souvent, ça permet de rendre visible et conscient certains sujets ou certains aspects difficiles dans notre vie. Donc, on peut avoir une nouvelle perspective par rapport à ça, ça permet de le déposer. Et puis, ce qui est bien, c'est que en art-thérapie, on a un produit tangible qu'on peut revisiter. Donc, des mots, parfois, c'est éphémère, puis on ne se rappelle plus ce qu'on a dit ou on a une impression vague. Mais avec l'image, on peut toujours y retourner si on en a envie. Donc, à qui s'adresse l'art-thérapie? Donc, l'art-thérapie s'adresse à des personnes de tous âges qui désirent s'engager dans un processus thérapeutique à travers la création. Donc, comme ici, on a différents motifs de consultation. Je dirais que ça dépend de l'expertise de l'art-thérapeute. Dans le fond, si vous demandez, oh, ben, par exemple, moi j'ai un TDAH, je peux travailler avec n'importe quel art-thérapeute, mais pas nécessairement. C'est un art-thérapeute qui spécialise avec cette clientèle-là, qui a eu des formations. Donc en art-thérapie, on a une formation de base. On peut tous travailler sur l'estime de soi, l'anxiété, la dépression, le deuil. Mais ensuite, il y a des motifs de consultation qui sont spécialisés et puis vous allez vers un art-thérapeute qui a ce champ-là d'expertise. Donc, les douleurs chroniques, la démence, la perte auditive, la connaissance de soi, le prendre soin de soi, l'indépendance. Donc, c'est plutôt un désir, un vouloir de s'engager. Donc, il ne faut aucune expérience pour faire de l'art-thérapie, mais il faut une motivation de vouloir explorer à travers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est TDAH? Trouble déficit d'attention. OK. Oui. Donc, je dirais aussi, tu sais, qui vient voir un art-thérapeute? Il y a des gens qui préfèrent, naturellement, l'art, c'est leur façon préférée de s'exprimer. Donc, souvent, ils vont graviter naturellement vers leur thérapie. Puis parfois, c'est des gens qui sont allés voir des psychologues ou des psychothérapeutes, mais que ça tournait en rond, ça ne semblait pas déboucher. Donc, ils voulaient une autre façon de s'exprimer pour accéder à d'autres formes de savoir. Donc, on sait à travers la cognition, mais on sait aussi à travers les émotions et le corps. Donc les bienfaits de l'art-thérapie. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a l'expression des émotions. J'ai nommé l'art-thérapie permet vraiment d'avoir des outils concrets. Donc, on se ramasse avec un produit tangible. Ça permet de développer des nouvelles perspectives, comme j'avais nommé l'autocritique. Une nouvelle perspective et des nouvelles solutions aussi. C'est une façon agréable d'aborder le difficile. Donc, c'est sûr que ça peut toucher vraiment des cordes sensibles, mais il y a aussi un aspect de créer qui est agréable, de s'engager dans un processus créatif. La découverte de soi, on engage les facultés sensorielles, on peut avoir des prises de conscience. Juste le fait de créer réduit le niveau d'anxiété. On est vraiment plus dans le moment présent. Souvent, quand on crée, on est dans une action répétitive. Qui engage, tu sais, tout, ça calme le système nerveux. Il y a aussi la spontanéité, tu sais, parfois on est surpris par ce qu'on a créé, puis le plus qu'on est à l'aise avec les matériaux, des fois on crée des choses qu'on n'aurait jamais pensé créer. Donc, c'est une thérapie vraiment complète qui engage la cognition, les émotions et le corps. Donc, je pense que j'ai pas mal nommé. Donc, l'art-thérapie a des nouvelles possibilités d'expression. Donc, si la personne se sent bloquée, est confrontée par la dimension verbale. Donc, parfois, on n'a pas des mots pour exprimer.
l'ampleur de ce qui nous habite, de notre tristesse ou d'une situation qui était difficile. Parfois, on est bloqué au niveau verbal, et puis parler à travers l'image nous donne l'espace pour s'exprimer, nous donne l'espace pour s'ouvrir. C'est un outil de connaissance de soi, d'identifier ses besoins, ses forces, ses limites. Sa propre identité, parce que tu es en train de créer, ça vient de toi. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit quoi créer. Tu es vraiment connecté. Tu sais, quand on est connecté à sa propre créativité, c'est un outil qu'on peut transposer à l'extérieur. La thérapie aussi. Parce qu'on est connecté avec nos besoins. Quand tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin d'utiliser de la peinture puis du rouge. Mais tu es connecté avec ce que tu sens en ce moment, ce que tu as besoin d'exprimer. Puis ça peut se transposer aussi dans la vie quotidienne. Donc, l'art permet de connecter avec la dimension émotionnelle et affective, en plus d'offrir un outil concret pour les exprimer. Et puis, l'art-thérapie peut aider à faire sans des expériences difficiles et offrir de nouvelles perspectives. Okay. Monia s'intitule La mère déchaînée. Donc, ça, c'est ma collègue Mia Hébert qui a travaillé en centre jeunesse. Donc, évidemment, on a tout le consentement pour cette jeune femme qui a travaillé avec Mia sur les émotions. Et puis, c'est son témoignage sur les bienfaits émotionnels, ce qui lui a apporté le processus en art-thérapie. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte. Mon œuvre s'intitule « La mer déchaînée ». On voit le sous-sol gris, après ça devient bleu. Le sous-sol, c'est le fond de la mer. Puis après, on voit les vagues qui sont vraiment déchaînées et le ciel est vraiment rouge. J'ai fait cette œuvre une journée que j'étais vraiment en colère. Puis c'était une manière de faire sortir toute cette colère dans le tableau. Puis ça donnait quelque chose de fort, de puissant, mais de beau, qui m'a apaisé après. Mais si on était là-bas, on ne voudrait pas être parce que c'est tellement intense que ça va embêter tout. C'est un endroit si beau à regarder de loin. Alors c'est quand même une heure déchaînée, mais c'est une heure apaisante pour moi parce que ça a pris toute ma colère en un tableau. Je pense pas que j'aurais pu exprimer les bienfaits mieux que cette jeune femme à travers son propre processus, qui est très touchant. C'est ça, c'est créer de la distance pour pouvoir déverser ce qui nous habite. Quand on est trop près de nos émotions, quand cette mer-là est à l'intérieur de nous, ça prend beaucoup d'espace. Mais quand on peut la déposer, la regarder de loin, comme qu'elle a donné, il y a quelque chose d'apaisant. Et ça permet de décharger et d'avoir la perspective sur donc, je vais passer une vidéo. Donc, l'art thérapeute, donc j'aimerais vous parler un peu de l'art thérapeute parce que l'art thérapeute n'est pas un titre qui est réglementé. On n'a pas d'ordre, on a une association. Donc, n'importe qui peut dire qu'ils sont art-thérapeutes sans avoir nécessairement la formation. Donc, l'art-thérapeute détient une maîtrise en art-thérapie. C'est une maîtrise de 2 ans plus 800 heures de stage en milieu généralement clinique ou communautaire. Et puis, l'art-thérapeute professionnel est toujours membre de l'ATQ. C'est l'Association des art-thérapeutes du Québec. Donc, ça, c'est des choses à regarder si jamais vous cherchez un art-thérapeute ou... Ça, c'est des points qui sont importants. Donc, ensuite, le rôle de l'art-thérapeute, c'est pas d'interpréter les œuvres. Donc, on pose des questions pour voir ce qui ressort de la création. C'est sûr qu'on peut avoir une intuition, on a un background en symbolique. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir une intuition, ou on peut avoir une idée, mais on le formule en question, ou on demande si c'est vrai pour la personne. Moi, je vois ça. Est-ce que c'est vrai pour toi ou est-ce que ça symbolise autre chose pour toi? Donc, vraiment, l'art thérapeute est vraiment là pour aussi accompagner
les clients dans leur choix de matériel, leur donner un accompagnement par rapport à tout le côté création artistique. On connaît aussi les propriétés, on a fait une formation, on connaît les propriétés thérapeutiques des matériaux. Donc, on sait que l'aquarelle, par exemple, c'est quelque chose de fluide, qui vient vraiment toucher les émotions. La peinture, c'est plus fluide. Si l'argile, c'est plus sensoriel, ça peut aller chercher des expériences préverbales. Quand on était enfant, avant qu'on puisse parler, tout se passe par les sens. Donc, l'argile, ça vient connecter un peu plus à ça. Il y a des matériaux, si quelqu'un sent qu'ils sont un peu en perte de contrôle, on peut suggérer un matériel qui est plus résistant, comme un crayon, parce qu'on sent qu'on a plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on met sur la page. Donc, on a tout ce background-là aussi pour accompagner les clients dans un contexte thérapeutique. Donc, c'est ça. Les clients, les participants demeurent toujours l'expert de leurs œuvres, la symbolique de leurs œuvres et l'interprétation de leurs œuvres. Donc, dans un contexte clinique, l'art thérapeute va aider le client, le participant, à déterminer les objectifs thérapeutiques selon le besoin, donc le motif de consultation. Pourquoi est-ce que vous venez chercher un support en art thérapie? Est-ce que c'est pour diminuer des symptômes qui sont reliés à l'anxiété, augmenter le bien-être, se connecter à soi et sa créativité? Donc, c'est unique à chacun, mais l'art thérapeute est là pour aider à nommer les objectifs, à choisir les médiums et aussi à animer la discussion, donc par rapport à l'œuvre. Donc, la découverte de l'œuvre à travers la dimension verbale. Donc, à la fin de la séance, vous pouvez discuter avec l'art thérapeute à propos de votre création. Donc, souvent les séances, c'est unique. Chaque groupe et chaque individuel est unique. Mais souvent, ça se passe en trois étapes. La première étape, c'est le comment ça va. Donc, tu arrives avec quoi aujourd'hui? Deuxième étape, c'est la création. Et la troisième étape, c'est la discussion par rapport à l'œuvre et qu'est-ce qui a émergé durant cette journée-là. Donc, maintenant, je vais offrir. Donc, maintenant, on va passer à la vignette clinique. Donc, c'est un autre exemple de processus en art-thérapie. Donc, c'est un exemple fictif. Donc, c'est pas des images d'un vrai client, mais c'est un processus fictif, mais qui est tiré de qu'est-ce qu'on pourrait voir durant une séance d'art-thérapie. Donc, le processus, c'est une dame qui vit des étapes, qui vient de se séparer, une dame de 40 ans, son nom est Manon, elle a deux enfants. Et puis, elle vient vivre une séparation avec son mari. Et puis, le choc de la séparation, ce qui arrive, c'est que souvent, ça peut freiner les étapes nécessaires qui sont reliées à la reconstruction de soi. Quand le motif de consultation, comme j'ai dit, pour chaque personne, c'est particulier, mais pour Manon, souvent, les séances étaient décousues. Parce que tu sens que tu as fait quelques pas en avant, mais ensuite peut-être un contact avec l'ex nous ramène vers l'arrière aussi. Parce qu'il y a des émotions qui ressortent. Par exemple, si on apprend que l'ex s'est remarié ou a un autre enfant ou a un enfant ou a rencontré quelqu'un, ça peut tous être des événements qui nous ramènent vers l'arrière. Et puis ça peut faire des séances qui sont un peu plus réactionnelles à la place des séances où est-ce qu'on travaille vers une reconstruction, on a besoin de déposer ce qui nous habite parce que ça crée beaucoup de mouvement. Donc, Manon est arrivée dans la séance, c'est la première séance. Donc, elle trouvait pas vraiment de lieu pour déposer ce qui l'habitait, pour exprimer ses émotions. Parce que pendant plusieurs années, ses amis étaient aussi des amis de son ex. Donc, c'est difficile parfois de trouver un endroit où déposer. Puis une fois que tu en as parlé avec la famille, tu as besoin d'un autre espace, tu sais.
parce que des fois on se répète, puis les gens des fois ils se tannent aussi. Donc aller chercher un endroit où elle pouvait vraiment exprimer ses émotions était pourquoi être allée chercher de l'aide en thérapie. Donc elle a fait un collage, comme qu'on peut voir. Elle ne savait pas trop quoi faire. Il n'y a personne, elle avait la difficulté à trouver des gens à qui se confier, à qui parler. Le mur qui bloque les émotions. Donc, si on voit comme la prison, un mur qui bloque les émotions, c'est ce que ça symbolisait pour elle. Elle ne pouvait pas vraiment les exprimer. Donc, elle sentait qu'elle était un peu emprisonnée. Donc, la prison revenait souvent dans ces images. Donc ça serait durant une autre séance où elle nommait qu'elle sentait que le lion représentait le tigre représentait sa colère, qui était comme emprisonné, elle ne savait pas comment le faire sortir ou comment elle-même avoir accès à cette colère-là. Donc, des fois, ça c'est un autre sujet, mais la colère, c'est souvent tabou, même pour des femmes dans la société, d'exprimer et ressentir la colère et comment l'exprimer, donner voix. Sinon, elle avait peur que si la colère sortait, elle allait être dévastatrice. Donc, il y avait comme une peur d'exploser. Donc, durant la troisième séance, il y a un travail qui a été fait sur se donner droit de vivre et d'exprimer ses émotions. Et puis, elle avait nommé que l'image du tigre lui faisait moins peur. Donc, et puis, il n'était plus dans sa cage, il n'était plus emprisonné. Sa colère n'était plus emprisonnée. Sa propre colère, en fait, à travers le symbolisme du tigre, lui faisait moins peur. Elle tenait à l'apprivoiser. Puis ensuite, elle a exploré ce qu'il y avait en dessous de cette colère-là, c'était de la tristesse. Une tristesse. La tristesse de la perte de l'être cher. Mm. Ensuite, durant la quatrième séance, elle a fait un portrait de sa famille. Qu'elle a par la suite senti qu'il était déchiré, qu'il était plus comme avant. Donc, le sentiment d'abandon, la perte de repère à travers le déchirement. L'expression de la souffrance reliée au déchirement de la famille. Ici, on voit la laine, comme les liens affectifs qui nous lient un à l'autre. Mais pour elle, il était rendu complexe et tout en nous. Et puis, les gouttes bleues, ça symbolisait le modèle de la famille qui semblait s'évaporer. C'est la famille unie qui était le modèle, le rêve qu'elle avait, qui s'était évaporé. Puis la remise en question, du coup. Donc, à cette partie de la thérapie, la cliente a fait un processus de deuil par rapport à ce qu'elle avait connu. Donc, elle a fait la maison familiale, il était une fois. Les souvenirs, le manque qui est souvent au centre de la séparation. Donc, la maison qui symbolisait une fois l'aspect heureux, l'unité familiale. Il y a des souvenirs comme des souvenirs des soupers de famille. Donc, il y avait beaucoup un retour à l'arrière vers les souvenirs qu'il habitait pour, quand on peut les exprimer, mais ensuite on peut les transformer. Donc, c'était sa façon d'explorer ce qui lui manquait puis ce qui lui faisait de la peine. Et puis, avec ça aussi, il y avait aussi toute la dimension de l'aspect social, l'image sociale. Donc, une fois qu'il y a une rupture et puis que ta famille est plus unie, c'est un peu aussi pour elle, c'était qu'est-ce que les autres vont penser,
qu'est-ce que les voisins, nos cousins, nos cousines, comment est-ce qu'ils vont nous juger. Oui, donc cette image, l'image de la famille parfaite, en fait, qui est plus là. Et puis, d'avoir le courage, et puis d'assumer, et puis de faire le deuil et la réparation, et de trouver une nouvelle piste, une nouvelle voie pour sa nouvelle vie. Donc, ensuite, quand il est retourné vers le passé, il y avait le deuil de la vie qu'il avait, mais maintenant, c'est une partie de la reconstruction de l'identité. Donc, c'est vraiment un processus de reconstruction, la séparation, c'est chez qui, moi, ou après des tout grands changements de vie, il y a un processus identitaire où on doit se réapprivoiser, se reconstruire, et décider, mais quelle personne que je veux être à partir de maintenant, quelle leçon que j'ai intégrée, comment est-ce que je veux avancer. Donc, elle a fait un masque, donc intérieur et extérieur. Donc, l'extérieur, c'est ce que les autres voyaient, et l'intérieur, c'est ce qu'elle voulait exprimer. Donc, c'est ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc, si on regarde l'intérieur, nous avons le besoin d'amour, le prendre soin de soi, retrouver des repères. Il y a un ancre, il y a un bateau, il y a des amis, il y a de la famille. Et puis, l'extérieur, on voit encore la force du tigre qui revient. Donc, la force, le courage. Nommer ses besoins, ce qu'elle avait besoin en ce moment, mais vraiment imprégné à l'intérieur du masque. Et puis, la dernière partie, c'est vraiment l'expression de la tristesse et un hommage à la relation. Donc, une fois qu'on a fait le processus de deuil, une fois qu'on a passé à travers la colère, parfois c'est possible de rendre hommage à la relation, mais à qu'est-ce qu'elle nous a apporté, même si elle n'est plus là aujourd'hui. Ou pas qu'elle n'est plus là, elle est différente. Mais chaque processus de séparation est différent. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de rendre hommage, ou de pas rendre hommage, mais de pouvoir apprécier ce que la relation nous a apporté à ce moment-là, tout en étant connecté à nos vraies émotions, nos vrais sentiments. Donc, c'est un processus d'intégration. Donc, de la tristesse qui était symbolisée par le vase bleu, une nouvelle force et une nouvelle renaissance peut émerger, qui était symbolisée par les fleurs, et réellement des apprentissages qui étaient en jaune. Alors, excuse-moi, mais est-ce que c'est le client qui décrit ça, ou est-ce que c'est vous qui faites aider à comprendre qu'est-ce que c'est les couleurs? C'est la cliente qui va le décrire, mais je vais demander. Donc, qu'est-ce que le bleu symbolise pour toi? Est-ce que c'est la joie, la tristesse, ou est-ce que ça a... qu'est-ce que le vase symbolise pour toi? Le vase tient quelque chose. Et les fleurs. Est-ce qu'il y a un... Des fois, les personnes, des fois, les clients vont tout de suite savoir parler de leur image de façon spontanée. Ils vont dire, j'ai fait ça, puis c'est ce que ça symbolise. Vous devez demander des questions. Oui, c'est ça. Et puis, si la cliente ou le participant, la participante a fait l'image, mais dire, je ne sais pas ce que ça représente, je vais poser des questions. Puis parfois, on ne le sait pas tout de suite, c'est correct aussi. Des fois, on laisse reposer l'image, et puis là, durant la semaine, il y a des associations que la cliente fait, ou que le client fait. Parfois, il y a un retour à la prochaine séance.
Donc, c'est vraiment unique à chaque personne, mais c'est jamais moi qui va interpréter l'image pour la personne. Je peux dire, oh, est-ce que ça serait la tristesse pour toi? C'est ce que ça. Tu sais, je peux demander. Je peux demander, mais je ne vais pas donner l'interprétation. Alors, j'ai une question pour vous. Si vous avez un mot à partager, vous ressortez avec quoi aujourd'hui? Juste un mot. Couleur. L'art. Expression. Expression. Envie. Envie. Curiosité. Curiosité. Histoire. 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 Oui. Stimulation. Pardon? Stimulation. 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 Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait donner un mot? Non? Ok. Je vais vous laisser. Bien, merci pour ces mots vraiment inspirants. Je vais vous les redonner. Donc, je vous invite à juste fermer vos yeux si vous êtes confortable. Et puis, juste vous mettre dans une disposition d'écoute. Donc, je leur donne les mots, les bons mots que vous avez partagés. Pour l'art, expression, envie, curiosité, histoire et stimulation. Donc, vous pouvez ouvrir vos yeux à votre rythme. Bien, merci beaucoup. D'être venu pour cette présentation. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup.